T'appelles Lorette, on ne sait jamais. Maman. Il m'appelle maman. Oh là là. Ah, papa. Ça va. Il parle quelle langue? Il est sourd, il parle comme un sourd. Ça va faire tout à l'heure, ne pas ça, pas mais ça. T'as compris ce qu'il a dit? Non, pas tout. Ah, vraiment rien du tout. Regarde ce que j'ai trouvé dans son sac. D'où il sort cette photo? Aucune idée. Papa, photo? La voiture? Ah non, arrêtez! Pourquoi tu lui as filé la bagnole? Attends, tu vois bien qu'il est inoffensif, on dirait un chien perdu. Mais un chien perdu, on lui donne un os, pas une Audi A8! Si c'est votre femme qui lui a prêté le véhicule, y a pas eu vol. Y a eu prêt. Bon, ben alors, je porte plein de pour prêt. C'est sûrement un enfant abandonné. Ou alors, c'est peut-être ton fils. Il manquerait plus que ça. Tu m'as déjà trompé. Hein? Elle s'appelle comment? C'est peut-être pas le bon endroit. On va aller la voir, ta poufiasse. Oh non, je t'en prie. Oh mon Dieu, André. Non mais comment t'as pu? Regarde-moi ça. Non, elle avait 40 ans de moins. Mais enfin, t'imaginais en train de la... Il veut nous présenter sa femme. Essayez de vous repérer au son de ma voix peut-être, hein. C'est tout droit, par ici. Oh mon Dieu. Tu vas avoir un petit-fils, André. Ah ben, ça pue en être fou, hein. Comment vous vous êtes rencontrés? Sur un site de rencontres. Alors un site de rencontres pour handicapés? Ah non, un site de cul. Ce type est un escroc qui s'est introduit chez les gens pour les dépouiller. On va voir si t'es vraiment sourd. Qu'as-tu fait? Et voilà. Voilà, c'est un beau cadeau pour ton mariage. Ça t'intéresse pas de comprendre qui est ce gamin? Tu veux pas essayer de me faire confiance pour une fois? Toi, tu peux toujours avoir des enfants. Mais elle, elle vit ça comme un deuil. Merci, papa. De rien, connard. Connard? Hein? Non, un canard. Non, j'ai dit un canard.